Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous parler d'un saxophoniste que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a environ 5 ans, qui s'appelle Léo Pellegrino, plus connu sous le nom de Léopi. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! Pour vous faire une biographie de Léo Pellegrino, c'est un saxophoniste américain qui a d'abord commencé par la clarinette. Il est vraiment connu pour jouer du baryton. Vous l'avez peut-être déjà vu au BBC Proms de 2017. C'était vraiment sa première grande exposition médiatique. Mais Léo Pellegrino, voilà, c'est un saxophoniste qui a commencé d'abord au sein du groupe des Lucky Cops ou Lucky Chops, je sais pas trop comment on dit. Puis ensuite, il a fondé un trio qui s'appelle Too Many Zoos avec un batteur, percussionniste et un trompettiste. En fait, il a fondé ce groupe un petit peu en même temps qu'il était au sein des Lucky Chops, mais il a décidé de quitter les Lucky Chops justement pour se consacrer à Too Many Zoos, qui était vraiment le trio qu'il avait fondé. En parallèle de Too Many Zoos, qui tourne encore aujourd'hui, hein, c'est un groupe qu'on peut retrouver assez facilement, il a fondé deux duos, un avec la saxophoniste Grace Kelly, qui est une saxophoniste alto américaine toujours, et il a aussi fait le duo avec Michael Wilbur, qui est un saxophoniste qui joue du bass, du saxophone bass. Ils ont fondé le duo Thundersmack. Ça, c'est des choses qui sont assez récentes, qui ont dû se passer autour de 2020, je dirais, 2021, 22, à peu près pendant le confinement, et c'est des duos qui ont été aussi connus via les réseaux sociaux, etc. Mais voilà, c'est un saxophoniste qui a commencé par de la scène, hein. C'est pas un saxophoniste qui vient forcément des réseaux sociaux. Léo Pellegrino, c'est un saxophoniste qui a commencé à jouer dans le métro à New York, qui a commencé à tourner avec des groupes, etc. Donc on va dire un parcours assez normal pour un musicien. Léo Pellegrino a aussi joué dans la bande originale de Babylon, qui est sortie en 2022, donc le film. Et on retrouve encore une fois sa patte sonore qui... C'est un saxophoniste qu'il faut absolument découvrir, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. La particularité de Léo Pellegrino, c'est de jouer, donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, du saxophone baryton. Mais en plus d'en jouer, il danse avec. C'est-à-dire que vraiment, voir Léo Pellegrino sur scène, c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique et qui a énormément de jeux scéniques, et qui décuple vraiment les possibilités qu'on peut avoir avec le saxophone baryton. Danser avec un saxophone, ça peut paraître assez anodin, mais c'est extrêmement difficile. Même sur un saxophone qui est moins lourd, même sur un saxophone alto par exemple, ne serait-ce que maintenir une embouchure tout en dansant, c'est très compliqué. Le faire avec un saxophone qui pèse très très lourd, je sais plus exactement le poids d'un baryton, je vous le mettrai au montage, mais c'est vraiment lourd, c'est très compliqué. Juste sur ça, déjà Léo Pellegrino révolutionne beaucoup de choses. Mais pour parler un petit peu plus en profondeur de son style de jeu, eh bien il se caractérise par deux choses essentielles. Il joue du baryton qu'un saxophone qui est au départ destiné aux lignes de basse. Donc c'est un élément qui va complètement prendre en compte dans son style et qui va être fondateur. Léo Pellegrino, il joue du baryton normalement dans le sens qu'il l'utilise pour faire des lignes de basse. Mais ces lignes de basse, elles vont avoir une particularité, elles sont très modernes. C'est pas des lignes de basse lambda. Même si on prend des lignes de basse en jazz qui peuvent être assez développées harmoniquement, Léo Pellegrino, c'est vraiment pas ça. C'est des lignes de basse qui sont complètement propres à lui, qui sont presque des entités mélodiques à part entière, qu'on n'avait pas vraiment déjà entendues en fait. Il s'inspire de plusieurs choses pour faire ses lignes de basse. Forcément du jazz, parce que c'est comme ça qu'il a appris le saxophone, c'est comme ça qu'il a découvert le saxophone après la clarinette, mais Léo Pellegrino, il aime énormément le rap, qui est très présent dans la culture américaine, et on ressent vraiment cette influence, cette inspiration quand il compose ses lignes de basse, quand il les joue, ne serait-ce que par la rythmique qu'il met derrière, qui est souvent des rythmiques trap aussi, qui sont des rythmiques assez modernes, qu'on va retrouver beaucoup plus aujourd'hui, qui sont omniprésents, qui marquent vraiment un premier élément distinctif dans le style de Léo Pellegrino, qu'on va retrouver chez d'autres saxophonistes, mais c'est vraiment lui à l'avoir fait en premier. Il fait des lignes de basse très mélodiques, avec des rythmiques derrière qui sont plus apparentées au rap. Le deuxième élément dans ses lignes de basse, c'est qu'il utilise un slap qui est une sorte de demi-slap. C'est-à-dire que
On va retrouver le côté percussif qu'on peut avoir dans un slap, mais la note va quand même sortir derrière, c'est-à-dire que ça va pas couper le son de manière brusque, le son va être attaqué ultra percussivement, mais derrière on aura quand même une note. Et ça, encore une fois, c'est ce qui caractérise ces lignes de basse qui sont à la fois mélodiques et percutantes. La deuxième caractéristique du jeu, du style de jeu de Léo Pellegrino, c'est quelque chose qui va être forcément lié à sa technique. Léo Pellegrino, il maîtrise le growl, le flat, mais surtout les suraigus. Et faire des suraigus au baryton, c'est pas la chose entre guillemets la plus difficile, c'est plus compliqué à l'alto, au soprano, parce que c'est des instruments qui sont déjà dans une tessiture aiguë par essence, mais au baryton, ça peut être considéré de manière un peu plus simple, entre guillemets. Sauf que Léo Pellegrino, il va pas se contenter de faire une octave en suraigu. Il va aller jusqu'à deux, voire trois octaves, et là, pour le coup, c'est vraiment très compliqué. Et il va se servir de ces suraigus en y rajoutant plein d'effets techniques, de growl, de flat, etc. Il va les insérer dans ses lignes de basse. Ces lignes aiguës sont pas les lignes les plus mélodiques, mais sont des lignes qui vont vraiment installer un rythme, un flow, en fait, tout simplement, de rap. C'est quelque chose qui est extrêmement présent chez Léo Pellegrino et qu'on retrouve maintenant chez d'autres saxophonistes, mais vraiment le premier à l'avoir fait à ce point-là, c'est lui. Donc comme vous l'avez compris, Léo Pellegrino, c'est un saxophoniste qui avant tout a énormément de technique. On aime ou on n'aime pas son style de jeu. Ça peut être controversé, il y a certains qui trouvent que c'est pas vraiment de la musique entre guillemets. Moi j'adore ce qu'il fait, vraiment. Mais je pense que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut pas lui enlever le fait que c'est quelqu'un qui a une technique extrêmement solide et qui l'emmène bien plus loin. Le dernier point que je voulais aborder sur Léo Pellegrino, c'est à quel point il a développé le saxophone baryton. Avant que Léo Pellegrino devienne la personne qu'il est aujourd'hui, la personne aussi connue et aussi médiatisée qu'il est aujourd'hui, de manière quand même proportionnée, mais c'est quelqu'un de connu, faut savoir que le saxophone baryton, c'était pas un instrument qui était considéré comme un instrument pour les virtuoses. C'est un instrument qui était utilisé pour faire des basses, mais des basses simples, et l'instrument dont on jouait quand on voulait faire des solos vraiment remarquables, c'était le ténor, très largement. Eh bien, Léo Pellegrino a changé ça complètement. Parce que aujourd'hui, en fait, on remarque qu'il y a beaucoup plus de gens, en tout cas, c'est en train de monter, qui veulent s'intéresser au baryton plus qu'au ténor. C'est-à-dire qu'il a presque inversé la cote de popularité du ténor, et maintenant, les gens veulent beaucoup plus jouer du baryton plutôt que du ténor. Et ça, c'est quand même assez incroyable parce que, en fait, ça s'est fait en très peu de temps, et surtout, le style qu'il a, en fait, c'est un style qui est pas forcément possible à avoir au ténor. Et ça, c'est très important de le prendre en compte parce que, justement, le style que Léo Pellegrino fait, c'est vraiment quelque chose qui est axé sur des notes extrêmement graves, extrêmement percutantes qu'on a au baryton et la possibilité d'aller dans des suraigus à plus 2 ou plus 3 octaves. Et le fait d'avoir montré que le baryton pouvait être joué de cette manière et pouvait en fait être un saxophone qui a des possibilités bien plus grandes que l'alto ou que le ténor ou que le soprano, et bah finalement les gens se sont dit bah pourquoi pas se mettre au baryton. Malgré le fait que ça soit un saxophone très lourd, encombrant, compliqué à transporter, Léo Pellegrino a fait aimer aux gens le saxophone. J'espère que, à partir des extraits que je vous ai mis dans la vidéo et de ce que je vous ai raconté, vous avez un petit peu plus découvert qui est Léo Pellegrino si vous ne le connaissiez pas déjà. Je vous invite vraiment à aller écouter, encore une fois, même si vous n'aimez pas son style, allez écouter parce que c'est vraiment impressionnant et c'est quelqu'un qui a vraiment révolutionné la manière de jouer. Il y a beaucoup de saxophonistes qui l'ont imité, certains ont pu faire leur propre style. D'autres ont juste fait quelque chose qui se ressemble, mais en tout cas, il a vraiment amené une nouvelle manière d'improviser, une nouvelle manière de jouer, de voir le saxophone, le baryton. Donc vraiment, de ce point de vue-là, c'est incroyable. Je vais finir avec une petite anecdote, comme ça, pour finir la vidéo tranquillement. J'avais découvert Léo Pellegrino à un moment où il avait, je crois, 10 000, 13 000 abonnés sur Instagram, quelque chose comme ça. C'était il y a 5-6 ans environ, hein, je sais plus exactement les dates. Mais en tout cas, c'était vraiment avant le confinement. Et à cette époque-là, j'étais très enfermée dans le saxo classique, j'avais assez peu d'ouverture sur les autres styles qui pouvaient se faire. Et Léo Pellegrino, ça a été pour moi vraiment la première personne, le premier saxophoniste que j'ai écouté qui jouait pas vraiment du classique. Du coup, j'ai commencé à pas mal m'intéresser à ce qu'il faisait, et un jour, j'étais dans Paris. Avec un ami, on devait aller jouer à un concert. On était complètement en retard, on s'était trompé de direction, on était vers République, pour ceux qui connaissent Paris. Et vraiment, c'était n'importe quoi en fait. J'avais le saxo sur le dos, j'étais en train de manger un sandwich en même temps, le concert commençait dans 5 minutes, on était à 20 minutes, je pense, du lieu. Donc vraiment, c'était compliqué. Et pendant qu'on court dans les rues, pour essayer d'attraper un métro, je croise Léo Pellegrino.
puisqu'il était à ce moment-là dans Paris pour faire une tournée sûrement avec son groupe. Et en fait, il faut savoir qu'il a un style vestimentaire qui est vraiment voyant. Si vous avez déjà vu des vidéos, vous savez de quoi je parle. Mais en plus, à cette époque, genre vraiment, je crois qu'il avait les cheveux teints, je sais plus en quelle couleur, mais vraiment, on pouvait pas le louper en fait dans la rue. Donc, je le repère vraiment de très loin et je le fixe, mais vraiment, je le fixe de manière terrifiante, je pense, pour quelqu'un qui se fixait comme ça. Mais juste, j'étais à ce point-là choquée de le voir dans la rue. Je pensais pas du tout le trouver à Paris à ce moment-là, parce que c'est un saxophoniste américain, donc déjà, pourquoi il aurait été à Paris? Enfin, il y avait très peu de chance. Mais en plus de ça, j'avais un sandwich à moitié mangé dans la bouche, le saxo, on était en sueur parce qu'on était en retard. Du coup, juste, je l'ai fixé comme ça dans la rue. Il est reparti parce que, bah, on s'est pas parlé, bien sûr, hein, et je suis repartie, enfin, en courant, pour aller au lieu du concert. Et vraiment, je me suis dit, enfin, ça m'a fait rire en fait de le voir à ce moment-là, surtout que j'avais mon saxo et tout. Juste voilà. C'est pas une anecdote de fou, mais ça me faisait rire de finir la vidéo avec ça. En tout cas, j'espère que vous allez écouter Léo Pellegrino, parce que vraiment, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!